Bonjour et bienvenue pour une séance de relaxation. On s'installe le plus confortablement possible. On relâche la tête, on relâche les épaules et on se laisse aller à de la détente. On commence par imaginer un papillon. Sa taille, sa forme, sa couleur. Et ce papillon, il vient se poser sur votre front. Vous dirigez votre attention sur votre front et tous les muscles de votre front qui vont se détendre. Le papillon vient se poser sur le bout de votre nez. Tous les muscles de votre visage se détendent en plus des muscles de votre front. Tout votre visage se relâche. La bouche, les joues, les mâchoires. Et puis, le papillon se pose sur votre épaule droite. Alors, tous les muscles de votre épaule droite et de votre cou se détendent. Maintenant, le papillon se pose sur le coude droit. Et toute la zone entre l'épaule droite et le coude droit se détend. Le papillon vole à nouveau et se pose sur votre main droite. Et tous les muscles de votre bras et de l'épaule jusqu'à la main se relâchent. Le papillon reste encore du côté droit et vient se poser sur votre cuisse droite. Tous les muscles de votre cuisse se détendent. Puis, il vient se poser sur votre genou droit et tous les muscles de votre genou se relaxent. Maintenant, le papillon se pose sur le bas de la jambe droite. Et toute la zone du bas de la jambe se détend aussi. Enfin, le papillon vient se poser sur votre pied droit. Et tous les muscles de votre pied droit se décontractent. Prenez bien le temps de sentir toute cette moitié de votre corps, toute cette partie droite où le papillon s'est déjà posé. Qu'est-ce que vous observez? Qu'est-ce que vous ressentez? Maintenant, on va voyager de l'autre côté de votre corps, du côté gauche. Le papillon vole et vient se poser sur les orteils de votre pied gauche. Et tous les muscles de votre pied se détendent. Et puis, il remonte et se pose sur votre genou gauche et toute la zone du bas de votre jambe jusqu'à votre genou se relâche. Il remonte sur la cuisse et tous les muscles de votre cuisse gauche se relaxent aussi. Le papillon vole un peu et vient se poser délicatement sur votre main gauche et tous les muscles de votre main gauche se détendent.
Le papillon se pose maintenant sur votre coude gauche. Et toute cette zone entre votre main gauche et votre coude gauche se relâche aussi. Il remonte et vient se poser sur votre épaule. Et tous les muscles du haut de votre bras se détendent, eux aussi. Restez bien attentifs. Le papillon vient maintenant se poser tout doucement sur votre poitrine. Et tous les muscles de votre poitrine se détendent. Prenez bien le temps de ressentir. Le papillon descend un peu et vient se poser au milieu de votre ventre. Et tous les muscles de cette zone, de tout votre ventre et de tout votre dos se relâchent. Maintenant que le papillon s'est posé partout, prenez le temps de ressentir votre corps tout en entier. Qu'est-ce que vous ressentez? Vos muscles sont-ils plus détendus? Votre corps est-il complètement relâché? Vous dirigez à présent votre attention sur la sensation de la respiration qui traverse votre corps, juste pendant quelques instants. On inspire par le nez, on gonfle son ventre en même temps, et quand on souffle par la bouche, et on dégonfle son ventre en le rentrant légèrement. Respirez normalement, comme vous le faites si bien. Et concentrez-vous que sur votre respiration. Et peut-être même que ce petit papillon vient se poser délicatement et se laisse bercer aussi par votre respiration. Il vous accompagne. Vous vous sentez bien, vous êtes complètement détendu. Vous faites presque plus qu'un avec ce papillon. À présent, vous allez prendre une profonde inspiration. Et puis soufflez toujours tranquillement. Et le papillon, lui, va prendre son envol. Vous le regardez virevolter autour de vous. Regardez bien ses couleurs, sa forme. Et puis, quand vous aurez repris vos esprits, je vous propose de prendre une belle feuille blanche, de prendre vos plus jolis crayons, et de dessiner le papillon. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me le partager, cela me ferait grand plaisir. Allez, je vous dis à très bientôt, je vous dis même à mercredi prochain.